achieved with CryEngine 3. Bonjour à tous, c'est GhostGenoside. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Crysis 3. Donc, je tenais à faire un petit gameplay en live pour montrer que vaut ce jeu. Donc, je tiens à préciser, je suis très fan de jeu, j'adore les Crysis, j'ai fait le 1, le 2, puis là j'attends avec impatience le 3. Donc là j'ai lancé la bêta parce qu'elle est disponible sur le PSN. Donc je me suis dit bon allez, on va la faire, on va voir ce que ça donne, on va voir les nouveautés. Donc je vous cache pas que j'ai fait quelques parties, voire beaucoup de parties. Non, beaucoup quand même, on va dire ce qui est. J'ai quand même passé prestige de pas mal pour avoir des armes. Parce que moi ce que je veux en fait dans ce jeu là, c'est l'arc. Parce que c'est une nouveauté. Donc je me suis dit, bon allez, Ghost, on va essayer d'avoir l'arc. C'est un truc qui est juste énorme en Crysis. Donc voilà, donc le menu se présente comme ça. Donc de toute manière, la bêta est en anglais. Donc vous aurez tout en anglais. Donc Quick Max, donc de toute manière vous avez Crash Sheet, donc c'est un peu comme la domination, comme dans les Call of Duty, c'est un peu le même genre, sauf que les points tombent aléatoirement. Le mode Hunter, c'est nouveau, c'est comme de l'infecté, sauf que l'infecté a un arc, et est tout le temps invisible. Alors que les autres sont en armure, ils sont repérables. Donc allez, on va tester le mode Hunter pour voir ce que ça donne. Moi, je le trouve assez bien foutu ce mode. Même très bien, moi j'aime bien. Donc vous pouvez custom les équipements. Donc voilà, donc moi j'ai fait, de toute façon en mode hunter vous avez pas le choix, c'est avec un arc. Ça dépend quelle classe vous serez. Donc peut-être que vous serez le, moi j'appelle les humains, ceux qui sont pas invisibles. Normalement on a eu des nanocombinaisons. Ouais, vous pouvez custom, là on va passer vite fait montrer un peu les armes qu'il y a. Donc j'ai pas tout déverrouillé parce qu'il faut passer au moins 5 prestiges de 10 levels il me semble, je suis pas sûr. Et moi ce que je veux c'est ça, voilà, le Predator. Lui, je l'adore cette arme. Mais bon. Bon après il y a des armes vachement puissantes comme le Typhoon qu'il faut débloquer, il me semble, faut faire 50 niveaux pour l'avoir. Donc faut passer 5 fois les 10 levels. Par contre cette arme elle a 500 balles, elle tire 500 balles en 20 secondes. Donc elle est énorme. Donc on va revenir un petit peu. Donc pareil, même système, des atouts. Donc vous avez des atouts, hein. Vous avez comme un Call of, hein. Vous pouvez choisir premier atout, deuxième atout, troisième atout. Donc là, il montre un peu à quoi ça ressemble quand vous mettez certains atouts, etc. Moi, je trouve ça bien. Après, il y a le secondaire. Donc généralement, il y a toujours ça pour les secondaires. Donc là, c'est un peu long à chercher. Oui, c'est un peu long parce que c'est la bêta, donc il y a quand même pas mal de problèmes sur les serveurs. Donc c'est normal que ça mette autant de temps. Il n'y a pas grand monde qui est dessus, parce que bon, c'est un jeu qui est sorti... La bêta est sortie récemment, donc je pense pas qu'il y ait énormément de monde. Enfin, moi j'ai sauté sur l'occasion. Dès que j'ai vu, j'ai sauté dessus. Vous pouvez en profiter. Donc là, vous pouvez voir comment c'est disposé. Donc là, vous avez nombre d'heures que vous avez joué. Les parties que vous faites le plus. Donc moi, je suis du crash. Enfin, pas du crash sheet, mais j'aime bien le crash sheet parce que c'est un peu de la fight, on va dire. Vous avez l'arme que j'utilise le plus, hein, cette arme. Le ratio en match. Vous avez combien de pourcents vous l'avez fini, le jeu. En multi, bon là j'en suis à 26%, donc il y a le temps encore. Normalement, il me semble que vous pouvez customiser votre identité. Donc là, il y a écrit Crysis 3, mais normalement, vous pouvez mettre des images que j'ai débloquées, mais que je peux pas mettre. Le clan, ma team, les gars, je fais un petit coucou d'ailleurs. Et donc, c'est un peu les joueurs que j'ai, qui sont dans l'accueil, il me semble. Attendez voir. Oui, c'est ça. Non, même pas. Non. Oh, je découvre un petit peu le truc. Alors, qu'est-ce qu'ils me font? Recruiting. Bon, d'accord. Donc ça. Alors, attendez. Ah, oui, il y a ce système pour muter à peu près tout le monde. Ah, ça, c'est bien ça. C'est rare que. Ouais, ils vont un peu copier un peu sur le BO, mais bon. Alors, 8, 4. Bon, ça va. C'est vachement long, je trouve. Pourquoi si je fais ça? Ah non, là, je quitte carrément. Non, je ne quitterai pas. Qu'est-ce que c'est ça, City? Ah, ça c'est les options. Ça c'est. Ah oui, custom. Tiens, je vais faire un petit tour sur mon arc. Parce qu'il me semble qu'on peut mettre pas mal de trucs. Donc, oui, voilà. Donc, on peut mettre. Alors, Airbus Arrow. Donc, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Recon. Alors, ça c'est pour pas que l'ennemi voie votre flèche. Donc, quand vous tirez, normalement, ça fait un filet. Oh,
C'est le style, hein, mais quand vous mettez ce genre de flèche, vous n'avez pas de détection au loin. Ça, c'est quoi? Airbus, non, proximity. Je crois que ça doit être un truc explosif. Ça doit être celui-là, je sais pas trop. En plus, bah, c'est rien du tout. Mais moi, il me semble que j'avais mis ce truc-là pour essayer. Après, ça, c'est. Ouh, je sais même pas. Ah oui, il faut que je fasse encore 43 kills pour être niveau 5 sur l'arme. Oui, il y a des niveaux d'armes, hein, donc ça va, il me semble. Bah, 10. Son arme. Donc, vous pouvez voir à droite la précision que j'ai avec cette arme. Le ratio avec cette arme, le nombre de kills que j'ai fait, le temps que je l'ai utilisé, le level qu'il y avait, donc c'est un peu simple à comprendre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix, donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, en attendant, j'ai coupé la vidéo à ce moment-là, et puis je vous rejoins tout à l'heure pour le gameplay. À tout de suite. Donc bonjour à tous, donc on se retrouve pour la petite coupure que j'ai réalisée car c'était vraiment trop long. Donc voilà, donc j'ai pris l'arme bah, que vous pouvez choisir. Donc j'ai pris celle-là parce que c'est la plus rapide, c'est celle qui va le mieux. Donc là je suis du côté des humains. Donc là je suis traqué par les hunters, donc c'est les hunters, hein. Ils sont invisibles, donc je ne les vois quasiment pas. Ah, il y en a pas bien loin parce que normalement on entend un bruit là, je sais pas si vous l'entendez. Ah bah voilà, il était derrière moi. Je suis pas sûr. Voyons voir. Parce qu'ils mettent des... Ils ont mis des. Voilà, non, il était devant moi. Donc vous voyez, on ne voit quasiment rien. Donc là, bah, maintenant, je passe en mode hunter. Donc j'ai l'arc. Et je dois traquer les cibles. Donc normalement, les points rouges, c'est les ennemis. Donc moi, j'ai un avantage, c'est qu'eux, ils sont pas invisibles. Donc je peux les voir très facilement. Ah, celui-là, bon, est mort. Donc, ah oui. Donc je tenais à dire, ce jeu est très très joli. Mais bon. C'est sur console, sur PC, je vous assure, il est sublime. Il est. Non, ça a quand même rien à voir. Je préfère sur PC, mais sur PS3, niveau fluidité, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Ah, j'en ai un qui. Non, c'est pas là. Ah, il y en a un là. Ah, on va aller le chasser. Oui, je suis un hunter, faut aller le chasser au moins. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Ah, sors ta tête, toi. Voilà. Voilà. Oui, donc vous voyez, il nous voit vraiment pas. Mais c'est ça que j'adore, c'est que. À un moment vous êtes la cible ou à un moment vous devez chasser la cible, c'est juste bah j'adore ce conseil, je suis super content qu'ils aient mis ça sur ce Krigiste. En plus un arc, moi j'adore l'arc. C'est un truc que j'adore mais vraiment. Ah attendez, où c'est qu'il est celui-là? Il y en a un qui se cache pas bien loin. Ah il s'est couché. Bon, fin du premier run, donc on n'a pas pu éliminer tout le monde, donc. Soit je vais passer du côté des hunters, soit je vais passer du côté des humains, ça dépend. Mais j'ai beaucoup eu de chance en ce moment, je tombe toujours avec les humains. Donc voilà, donc vous avez ça, donc soit un sniper, ce qui est déconseillé, c'est vraiment horrible, ou alors je crois que le fusil à pompe. Mais moi je préfère le ranger parce que c'est. Ça va vachement bien cette arme. Je vais vous faire un petit mont. Regardez. Il y a eu toutes les balles que ça tire, c'est juste énorme. Par contre, il n'y a pas de chargeur, il va falloir aller chercher. Donc voilà, bah vous avez vu plus. Ah, il y en a encore un pas bien loin. Ça, j'aime pas du tout le bruit, on entend le bruit. Ah, il a été tué. C'est qui pourrait? Il y a quelqu'un qui est pas bien loin de moi là. Ça, mon radar il s'affole. Ah, il est à côté de moi. Aïe 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 aïe. Où qui sont? Où que t'es? Où que t'es? Réponds-moi. Non, il est pas là. Bon. Oui, donc sur là en bas, ah non, ça c'est un allié. Ah oui, je tiens à préciser, vous avez des genres de grenades qui éclatent les camouflages. Donc là j'ai eu peur, mais je l'ai lancé, on sait jamais, ils sont peut-être là. Donc là je survis pas trop mal. Par contre, ah, ça vient de briller ici, il doit y avoir une personne. On va se baisser. Oh les. Non. Il est à côté, il est à côté. À côté de moi. Là, 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 là. Ah, je l'ai trouvé bien là, toi. Ah, par contre, cette arme de loin, n'essayez même pas n'essayez pas de viser. Enfin, de toute façon, il me semble. Ah, si on peut, mais c'est une perte de temps. Surtout en mode hunter. Enfin, derrière moi, derrière.
Moi, je vous assure, ce bruit est super, super stressant. Moi, je le déteste. Depuis tout à l'heure, il y a une personne qui me traque, je sais pas où elle est, les alentours. Jusqu'au jour où je vais me prendre une flèche, où ça va pas tarder là. Derrière moi. Voilà, j'en étais sûr. Donc, bah, j'en étais sûr. J'ai vu le camouflage au dernier moment. Je pense qu'il me traquait, on va voir ça. Ouais, il me traquait vraiment. Il me traquait, mais vraiment tout le long, je pense. Donc voilà, bah, on se retrouve bah, pour le mode Hunter encore hein, là. Donc là je me retrouve avec l'arc. Et en plus il reste 7 secondes, même pas. Donc ça va être la part. Oui les parties durent enfin, sont vraiment très courtes. Longtemps? Ah, voilà. Donc voilà. Bon, prochain round, Ah oui, il y a 5 rounds. Donc là, normalement, je pense que je vais passer du côté des Hunters directement. Ça serait bien, parce que moi j'aime bien avoir l'arc parce qu'on a un gros avantage. Ah voilà. Voilà. J'ai enfin l'arc. Bon allez, on va essayer de chasser un petit peu là parce que j'ai pas tué grand monde. Non, j'ai même tué personne en humain. Donc là, on va essayer d'être bien. Ouais, donc le temps qu'ils prennent en main l'arc, c'est un peu long, mais après ça en fait. Alors normalement, voilà, ils sont tous ici. Et ah. Toi, tu vas prendre une flèche. Arrête de sauter. Merde. Bouge plus. Voilà. Ah mais toi, mon ami, tu bougeais pas trop. Ou toi, je sais pas où tu vas. Mange ma flèche. Bah il y a que dans ce mode Hunter, il y a que dans le mode Hunter où les ou qu'est-ce que tu fais toi? Non mais c'est je m'en sors bien, hein. 3 kills pour le moment, c'est bien. Hein. Bon, ça sert à rien, tu vas t'en prendre une quand même. Non, ça c'était une plante. Non, ça c'est quoi au fond? Non, je sais pas où ils sont. Ah mais je crois qu'ils sont au fond. Là, il y a une espèce de petite baraque là. On va voir ça. On va aller visiter tout ça. On va dégainer l'arc. Il me semble qu'il n'est pas bien loin. Je sais pas du tout. Le radar est brouillé. Je pense qu'il est en bas. On va voir ça. On va descendre. Derrière moi. Il m'a pas vu, abruti. Voilà. Ah, j'ai quand même pris des dommages. Hein. C'est quand même. Il y en a un qui est au-dessus de moi à gauche là. À gauche, à gauche. À gauche. Il est où? Il est où? Au-dessus de moi. Allez, 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 mon ghost. Allez, allez. On va pas se faire piquer le kill. C'est qui se cache? Où c'est qu'il est? Ah, je crois savoir où il est, il me semble, je sais pas. Ah, voilà. Non, même pas, il s'est fait tuer. Mince alors. Ah, attendez, il y en a un qui traîne pas bien loin là, il y a mon coéquipier qui le chasse. Mais c'est qu'il vit toujours, il est toujours ici ce personnage. Ah, il court vraiment beaucoup là, c'est vraiment horrible. Il se sent menacé. On est tous à la. On est tous comme des. Bah, comme des chasseurs à chercher où il est. 5 secondes. Allez, 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 on va essayer de le choper. Si je sais pas ce qu'il fait, je ne le vois vraiment pas. Allez, on n'a pas pu l'avoir. Il était vraiment. Non, il bougeait vraiment. Hein. C'était bien joué de sa part. Donc là, on va entamer le quatrième round. Donc je ne sais pas si je vais être comme d'hab, Hunter ou humain. Et humain, ah, mauvaise nouvelle. J'aime pas vraiment cette classe. Du fait qu'on ne les voit pas et le bruit, je vous le répète, est abominable. C'est stressant. Donc, normalement, ils vont réapparaître en face. Donc, on va prévoir le coup. On va faire un truc. On va faire ça, la grenade. Peut-être qu'il y en a déjà un qui est déjà pas bien loin. Il est là. Je sais pas où il est. Là devant moi. Voilà. C'était moins une. Hein. J'ai vraiment eu peur. Ah, non. En fait, l'indicateur de la carte en bas, il y a des espèces de barres en X et en Y. Voilà, donc là c'est rouge, donc c'est qu'il y a un ennemi qui est vraiment proche de moi. Donc là il n'y est plus, donc je ne sais pas vraiment. Ah, il est encore. À mon avis, cette personne-là est dans l'avion. Je vais pas ouvrir cette porte, non. Donc, bah, donc oui, non, mais franchement, ce jeu, je suis très surpris de ce qu'ils ont mis dedans. Je le trouve. Bah pour le moment très bien, y a pas, j'ai rien à dire. Non, je suis assez. J'ai bien fait d'attendre ce jeu. J'étais impatient et quand j'ai vu la bêta, j'ai dit allez, faut que je me la prenne, faut que j'essaye tout ça. Et pour le moment, ils ont mis que deux maps pour le moment. Et ça suffit largement devant moi. Voilà. C'était limite là. Heureusement que j'ai. Enfin, 115 balles, va falloir que j'aille. On n'est plus que combien là? Oh, on est plus que 3 en vie là. Faut que j'aille chercher des munitions sans se faire avoir. Ça doit être là en bas, il me semble. Voilà. Allez, 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 dépêche-toi. Tech, allez. Tech les munitions.
Oui, cette arme est vraiment horrible, elle a une cadence de ouf. Quasiment pas de recul. Mais bon, pour l'avoir en multi, il faut vraiment faire des kills et puis passer les précipités où il est. On tire à l'aveuglette, hein, vaut mieux parce que là, je sais vraiment pas où il se cache celui-là. Oh merde, ah y'en a un là, putain mon pote il s'est fait tuer. Oh là mon dieu, le. C'était temps que ça se finisse là parce que, à mon avis, il devait vraiment me traquer la personne. Alors je sais pas. Non, ah oui, non, non, bah non, parce que normalement une fois que vous finissez bah là, le mode Hunter ou n'importe quel mode, vous pouvez voir tous les kills que vous avez fait. Et ce qui est surprenant, c'est quand vous faites un tir dans la tête, vous avez le ralenti de la balle. C'est un peu comme je sais plus quel jeu c'est, il y a un jeu, c'est un sniper, où vous voyez au ralenti vos kills, donc vos tirs que vous avez fait sur vos ennemis. Et je trouve ça assez marrant, sauf que là, bon, c'est pas si bien détaillé, parce qu'il y a quelques bugs, parce que bon, bah, c'est la bêta, hein, donc ils ont fait exprès, je pense, de mettre ça pour voir si il n'y a pas des problèmes avec les joueurs, avec les kills. Là, par contre, je suis en train de. Équipe, ah, j'ai peur, attends, on va éviter les problèmes, on va lancer ça. Peut-être qu'il y a un hunter qui va passer dans le rayon. Et. Mon pote vient se faire descendre, ça c'est moins drôle. Ah, faut que j'essaye ça. Ça, j'ai toujours aimé dans les crises. C'est juste, bah. J'adore, moi, les animations qu'ils ont faites dans le jeu, c'est énorme. J'adore. Tout ce qui est pour arracher des trucs. Bah oui, dans celui-là, je vais vous dire. On peut arracher des poteaux pour vous en servir comme batte de baseball, c'est marrant. Vous voyez un ennemi, vous mettez invisible, vous donnez un gros coup de bâton. Mais vraiment un coup de bâton, hein. L'ennemi, vous le faites voler, puis bah, vous le tuez, de toute façon, vous one shot. Donc ça, je trouve ça énorme. Pareil, je pense qu'il y avait dans le 2, vous vous approchez d'une voiture, vous appuyez sur le stick, et la personne, bah, je t'ai vu, il me semble, je suis pas sûr, il est au-dessus, je viens de me ramasser une flèche à bout portant, il est à côté de moi, il est à côté de moi, il est à côté de moi. Là, je viens de me prendre une. Je sais pas ce que je me prends. Alors, à mon avis, c'est qu'il a pas armé à fond son arc. Parce que j'ai pris, comment dire, des hitmarkers. Donc, on va voir ça. Ouais. Vous voyez, il y a eu un bug. Parce que là, on n'a pas vu. Oh, on l'a pas vu tendre l'arc. On n'a pas vu tendre la corde. Donc, et il a vraiment appuyé vite fait pour tuer. Hein. C'est vraiment. Et si vous voulez tuer un ennemi en un coup, faut armer l'arc comme ceci, mais vraiment à mort. Par contre, vous déplacez moins vite. Là, par contre, c'est la fin. On va tenter. Ah, bah, voilà. Un petit drift pour la fin. Oh, il restait quand même pas mal de personnes encore en vie. Donc voilà. Donc là, bah, c'est fini la manche. Donc je pense. Donc on va voir si on va pouvoir percevoir les kills que j'ai pu faire. Oh, je suis combien? Cinquième. Oh, ça va. C'est pas cher payé, mais bon. J'aime bien le Manhunter, mais c'est pas non plus mon kill. Donc là, vous voyez tous les ralentis. Donc voilà, vous voyez les ralentis de tous vos kills. Et il me semble, non, c'est pas en fait dans la tête quand vous faites les ralentis. Mais généralement, je trouve ça assez. J'aime bien moi, ce concept-là. Vous voyez pas tous vos kills, il me semble. Hein, parce que c'est rapide. Hein. Vous voyez quand même la plupart. Franchement, j'aime bien. Moi, c'est un truc, j'étais surpris de le voir. Hein. Non, mais j'ai quand même fait pas mal de kills à l'arc. Hein. Non, je suis bien content. Donc voilà, donc la vidéo elle se finit, donc c'était juste pour vous montrer un avant-goût de ce jeu. Moi pour moi, je l'achète directement, c'est un coup de cœur. J'adore les crises, donc pour moi je l'achèterai sans problème. Donc sur ce, je vais vous laisser, puis bah à la prochaine.